Grâce à Tweedle, vous voici arrivé au cœur de l'histoire des courses et de l'élevage en Nouvelle-Zélande. Cambridge Stud, 32 fois tête de liste des vendeurs dans le pays. Et qui nous a amené ici? Joséphine Soudan. Pourquoi Joséphine Soudan, cette jeune entraîneur de Chantilly, installée seulement depuis 2 ans et déjà gagnante de l'Eastud, pourquoi, Joséphine, tu nous as amené ici chez les Lindsay? J'ai toujours la chance d'entraîner pour eux 2 chevaux à Chantilly. Et depuis que j'entraîne pour eux, ils m'ont toujours proposé de venir inviter tous les hivers. Et donc voilà, j'ai pris mon billet d'avion et me voici à Cambridge Stud, qu'ils ont acheté il y a à peu près 1 an et demi sans visiter le Hara. Et ils ont signé, acheté et puis ils sont venus découvrir le Hara. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de travail à faire et depuis qu'ils ont acheté, tout est en travaux. Donc ça a l'air d'avancer assez vite, mais c'est tellement colossal que c'est assez impressionnant, mais ça va vraiment devenir magnifique. Créé il y a 44 ans par Sir Patrick Hogan, éleveur de 132 gagnants de groupe 1, Cambridge Stud s'est développé notamment grâce aux produits du légendaire Sir Tristan et de son fils Zabel qui y ont stationné. Brendan Lindsay a tout acheté, les 180 hectares de terre, le matériel, les yearlings, les foals, les 84 poulinières et les étalons, dont la vedette actuelle Tavistock, un fils de Montjeu qui reste liste pleine, bien que son prix ait bondi dernièrement à 50 000 euros. Et le nouveau propriétaire a fait un énorme buzz en important le crack français Almanzor pour sa première année en double saison fin 2018. I had a business called Systema Plastics, which is on sale in France. French retailers, and I sold the business to an American company 2 years ago. But I was racing horses with my wife, and we race horses together and we breed horses together, and we enjoy the racing industry and we enjoy the ups and the downs. We enjoy the ups more than the downs. And the Cambridge Stud thing was a natural progression for us to increase our involvement in the industry. Quand Brendan Lindsay se lance dans les travaux, il change tout de A à Z. Dernièrement, il a déjà transformé une ancienne ferme bovine toute proche de Karaka à Auckland. En l'espace de quelques mois, tout le relief a été refait et sont sortis de terre des pistes, un barn d'un chic étincelant, des marcheurs dernier cri dont un aquatique, des paddocks, cela uniquement pour les 25 pensionnaires de son entraîneur privé. Cela augure de ce qui va se passer dans les mois à venir à Cambridge Stud, le tout en noir et jaune comme sa casaque et les couleurs du maillot de son équipe de rugby préférée. Alors déjà, à l'entrée, il va faire un musée sur l'histoire de Cambridge Stud, mettre en avant les étalons, les pédigrés, l'élevage néo-zélandais, etc. Ensuite, par là, apparemment, ils vont refaire toute la place pour les étalons, leur paddock, le barn et les box pour les étalons, tout un paradring assez chouette. Là, ils refont tout un bureau tout neuf. Et juste derrière, c'est déjà construit. C'est toute une, c'est un emplacement pour les propriétaires, les clients, faire venir du monde. C'est une espèce de grande salle de réception assez chouette, avec d'assez bon goût, on va dire. Brendan Lindsay est un amateur de la France, de son élevage, puisqu'il y a acheté 7 juments à Deauville l'an dernier, mais aussi de ses acteurs, avec 4 chevaux à l'entraînement chez Nicolas Clément et 2 autres chez Joséphine Soudan, également à Chantilly. It's quite a thrill having horses with Josephine because there's not many French women trainers and she's a very capable young lady and Joe and I felt that we needed to support her. Ça met un peu de pression, non? Oui, un petit peu de pression, mais ça rebooste à fond et c'est génial, c'est vraiment excitant et c'est royal. Joséphine pourrait bien profiter de l'élan d'un propriétaire pressé qui marche sur l'eau. Pour sa première tentative dans la fameuse Karaka Million des 2 ans à Ellerslie, la veille des ventes 2019, il s'est imposé avec la pouliche Probabel achetée 215 000 euros l'année précédente. Et à peine avait-il acquis Cambridge Stud qu'il y a fait venir le célèbre français Almanzor au deuxième semestre 2018. We were lucky enough to buy the Southern Hemisphere rights to stand Almanzor in New Zealand. We were limited to 140 brood mares and we sold it and ended up by turning away about 20 people and said, look, I'm sorry, you'll have to come back next year. So he's been very popular. He's a champion racehorse, but he's a magnificent looking horse and we're hoping with that magnificent French bred that he's going to inject himself into the New Zealand breeding industry. Joséphine, on se retrouve dans 2 ans ici, une fois que tout sera flambant neuf. Ouais, on les laisse encore bien travailler, puis on revient dans 2 ans pour bien constater et profiter de ce magnifique endroit.
Merci.